Ce que veulent les hommes, waouh, je vais vous l'expliquer. Bonjour à toutes, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, nous allons parler de ce que veulent les hommes. Ce que veulent les hommes, je pourrais le résumer en trois mots de toute façon. C'est jeunesse, santé, fertilité. Pourquoi ? Ben parce que tout ça, c'est la psychologie évolutionniste, c'est de la programmation génétique, si vous voulez. N'hésitez pas à lire mon livre « Evo Psy et Séduction » où j'explique pourquoi l'homme et la femme, nous sommes programmés pour chercher des choses chez le sexe opposé. Alors vous allez dire « Oui, on n'est plus au temps des cavernes, alors pourquoi on pense en ces termes ?» Eh bien, tout simplement parce que la société a évolué à une vitesse incroyable par rapport, surtout ces derniers 2000 ans, par rapport à notre cerveau. Le cerveau, il met du temps à s'adapter et tout. Donc, on reste à rechercher ce genre de choses, même si ça paraît tellement basique. Donc, voilà ce que veulent les hommes, ça se résume à peu près à ça. Donc, il faut comprendre qu'à travers les âges, par exemple, tous les critères de beauté. Alors, vous allez dire, oui, au Moyen-Âge, c'était les filles avec un peu d'embonpoint qui étaient vues comme très belles. Aujourd'hui, c'est les filles minces. Demain, ce sera quoi, etc. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la beauté, c'est toujours relié à l'attirance. Au Moyen-Âge, il y avait des gens qui crevaient la dalle, ils mouraient de faim. Donc, c'était les femmes qui avaient un peu de gras, qui étaient en bonne santé. Vous voyez ce que je veux dire? Elles avaient de la réserve, elles pouvaient enfanter beaucoup plus sûrement, avec moins de problèmes. Donc, c'était attirant. De nos jours, le sucre est tellement facile d'accès. C'est plutôt les classes pauvres qui mangent de mauvaises choses, mais également il y a certains riches qui sont gros. Ce qui veut dire que de nos jours, vous voyez, les femmes riches et tout, elles vont au magasin bio, elles font du yoga, etc. Elles sont plus minces. Ce qui veut dire que de nos jours, ce n'est plus l'abondance de nourriture qui fait la santé, c'est au contraire le fait de manger moins, ça évite les maladies comme le diabète, l'obésité, etc. Voilà pourquoi, en fait, les critères de beauté changent dans le temps, mais ils sont toujours reliés aux mêmes choses. Fertilité, jeunesse, santé. Voilà, tout ça, c'est ce qui fait la beauté. Alors, une fois que vous avez compris ça, je vais vous expliquer quand même quelque chose. C'est que sexy, une fille sexy, c'est supérieur à une fille belle. On ne va pas forcément chercher la beauté. Il n'y a pas forcément besoin d'être mince comme ça pour être belle. Il y a des filles qui sont belles et il y a des filles qui sont sexy. Je confonds moi-même un peu les deux mots. Non, sexy, c'est l'attitude qui va te rendre attirante. Les vêtements, la façon de marcher, la façon de parler, tout ça, ça peut te rendre extrêmement sexy. L'image, la réussite que tu peux avoir dans le monde, même si la réussite peut faire peur à certains hommes, mais ça rend quand même sexy. Mais il faut bien comprendre que sexy, il ne faut pas le confondre avec vulgaire. Je vois des filles qui essayent d'être sexy et au contraire, on dirait des cagoles de Marseille. Non, il ne s'agit pas de devenir une fille vulgaire avec la jupe à la touffe, le crop top là. Voilà, non. Sexy différent de vulgaire. Sexy, c'est beaucoup plus dans l'attitude, dans le regard, dans ce que tu dégages, dans ta façon, dans les sujets dont tu parles, dans l'image que tu as aussi. Ça peut être sur les réseaux sociaux et tout. Ça rend sexy. Moi, je vous conseille, voilà, la confiance en soi, ça rend sexy une femme également. Je vous conseille de miser plus, je ne connais pas votre physique, mais que vous soyez belle ou non, de toute façon, essayez d'être sexy et vous gagnerez encore plus de points. J'aimerais vous parler aussi du fait d'être gracieuse. Ça, c'est quelque chose qui se perd. Je vois des filles qui, avec des talons, elles marchent comme ça. Je vois des filles qui sont en mode camionneuse, qui jurent comme des racailles, parce qu'on leur a dit que c'était cool d'insulter les mecs, c'était cool de ci, de ça. Non, essayez d'être un peu plus classe que ça, un petit peu plus gracieuse, comment vous dire, un petit peu plus sympa, un petit peu plus liante peut-être, un petit peu plus ouverte, un petit peu plus cool, au moins se prendre la tête. Voilà ce que je peux vous conseiller, voilà ce que veulent les hommes. Essayez d'être moins hypocrite sur votre sexualité. Parce que franchement, ces filles qui te font croire que le sexe, ça les intéresse pas, qu'elles sont pures, elles vont rester pures jusqu'au mariage. Ah là, t'as parlé de sexe, t'es qu'un gros pervers, machin, alors qu'ensuite, elles vont faire des soirées entre copines. Alors, elle était comment sa queue au mec que t'as baisé l'autre soir, machin? J'ai participé à des soirées de filles où j'ai été le seul mec et je sais exactement que ça parle de cul, que ça parle des mecs, que ça parle de ci, de ça. Alors pourquoi vouloir jouer à faire l'innocente, à faire croire que... À force de vouloir faire croire que les filles sont des petits êtres fragiles, purs et tout, la société, elle éloigne les hommes des femmes. Les hommes n'osent plus draguer les femmes, n'osent plus baiser les femmes, n'osent plus... Voilà.
ça crée des problèmes. Donc être un peu moins hypocrite. Je ne dis pas qu'il faut dire je suis la salope du village, pas du tout. Mais il faut parler de ça d'une manière cool, parler de sexe de manière détendue, quoi. Arrêter d'être dans sa tête là, d'être un petit peu borné, quoi, d'avoir des limites. Oh là là, il a prononcé le mot sexe. Voilà. J'aimerais vous parler d'une croyance aussi qu'ont beaucoup de femmes, c'est les hommes aiment que les gros seins ou les gros culs. Kim Kardashian, ce genre de femme. Non, en fait, l'homme, il va regarder plutôt le ratio taille-hanche. Donc, il y a un ratio entre la taille et les hanches qui fait qu'un homme va être beaucoup plus attiré par une femme. Et ça, on en revient encore à la fertilité. C'est pour enfanter. C'est pour ça que les hommes regardent presque par réflexe les fesses des femmes. C'est presque plus fort que nous. C'est la programmation génétique qui s'exprime. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Non, on n'aime pas forcément les gros culs. C'est plus leur ratio taille-hanche qu'on recherche. Quant aux gros seins, ça dépend des mecs. Il y en a que oui, il y en a que non. Vraiment, les filles qui ont des petits seins qui complexent, qui veulent se les faire refaire ou quoi, je peux comprendre si ça vous aide à être mieux dans votre vie. Maintenant, sachez qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment aussi les petits seins. Franchement, j'aimerais vous dire, soyez la femme que vous voulez. Ne soyez pas la femme que vous pensez que la société veut que vous soyez. Ne soyez pas la femme que les autres veulent que vous soyez. Soyez la femme que vous voulez. Si vous avez envie de sexe dans votre vie, si vous avez envie d'avoir des hommes, si vous avez envie de faire des expériences, du libertinage ou autre, faites-le. Maintenant, si vous avez envie d'être une mère au foyer, tranquille, avec son mari et ses gosses, faites-le. Mais surtout, ce que je vous demande, c'est d'être honnête avec vous-même. Mais quoi qu'il en soit, ce que veulent les hommes, ça se résume toujours aux mêmes choses. Jeunesse, santé, fertilité. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. Je sais qu'elle peut paraître simpliste, et pourtant la vie peut être simpliste. Elle peut être simple, surtout. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, à aller faire un tour sur mon site Conseil Séduction Femme. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. À partager cette vidéo avec vos copines. Et moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.